Hey, salut à tous, on est dans Minecraft. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, il faut savoir qu'en fait, la version Questcraft, c'est du Java. Je vais vous dire pourquoi. Pour ça, voilà. Je vais vous montrer ce que c'est. Vous allez vous rappeler. Pour ceux qui connaissent Coopération Hostile, c'est la première map qu'ils ont utilisée de Chaos Flame. Du coup, je pense que pour beaucoup, vous la connaissez. Donc voilà ce que ça donne. La map est complètement fonctionnel, voilà. Je sais pas si ça a goût de votre côté, mais comme vous voyez, tout est là. Moi, après, je vais aller sortir mon petit chien, donc je ne traîne pas. C'est juste rapidement. Bonjour, monsieur. C'est trop magique de pouvoir voler comme ça. Attendez, je remets mon casque correctement avec de la mousse à côté de moi. Donc, du coup, c'est du Java. Trop cool. Du coup, je vais vous montrer rapidement. Ça fait beaucoup de du coup. Donc voilà, donc là-bas par exemple, pour ceux qui savent, il y a bel et bien tout le chemin, hein. Et on va faire aussi un truc autre, c'est oui, voilà, ouvrir le chat, slash time me 7 day. Enter. Voilà, c'est mieux, non? Bon. Par exemple, là au-dessus. Bon, moi, c'est joué ici parce que je suis en VR, vous voyez, mais vous, ça va rien changer, vous allez juste voir un cube. Là, par contre, il n'y avait pas. Non, non, il n'y avait rien là. Je pensais qu'il y avait un truc, mais non. Mais non, non, il n'y avait pas de. Notch n'a pas été aussi froid que ça. Enfin, c'est pas Notch, c'est les créateurs, c'est Vex, pardon, excusez-moi, c'est Vex, ou comme Zelbak dit Vach, mais c'est pas Vach, hein, c'est Vex, son pseudo se prononce Vex. Et du coup, c'est lui le créateur de cette map, et des trois autres maps que j'ai pris, mais ça je vais vous montrer plus tard. Et du coup, voilà, ici, bon, ça charge, donc c'est pour ça que ça lague, mais quand on avance normalement, ça va, c'est assez fluide. Je peux taper les mobs, hein, si je veux, bon, là je suis un peu en mode tick, mais je peux taper. Oui, je peux le taper. Hein. Bon, il y a des petits lags. Voilà, vous voyez, ça fonctionne. Je sais pas pourquoi il y a autant de mobs autour de moi. Je peux même faire apparaître un ou coquinou. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. J'ai juste envie d'en voir un ici. Bonjour. Ça n'a goût à que mes parents. Petit coquin, comment va? Comment vont les petits coquins? Oh là! Comment vont? Le petit coquinouché va bien! Ah! Petit coquinou! Trop cool! Je vous laisse ça, bande de coquins! Alors. Prout, prout, prout! Alors, j'avais trouvé une zone où il avait un trou. Non, on va essayer de retrouver le putain d'endroit où j'avais pris pour pouvoir passer dans l'autre zone. Et je l'ai paumé. Bah bravo. Non, c'est pas là. En fait, il y a une zone où on peut passer par des. Ah, c'est ici, je crois. Oui, c'est là. Ouais, voilà. Et on peut prendre ça. Ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah ok, c'est l'effet inversé, d'accord. Let's go évoluer. Bon, vous c'est nul parce que comme je dis, il faut être en vert, mais ça fonctionne, hein. Bon, après c'est notre histoire pour en sortir, mais bon, c'est pas grave. Oula. Bon, bah, j'ai cassé un truc sans faire exprès, désolé, hein. Je ne savais pas comment sortir du truc, ça il faudrait encore que je cherche à savoir. Bizarre. Je suis en quoi? Je suis bien en. Oui, je suis bien en normal. Bon, comme vous voyez, j'ai rien touché. Hein. Il y a bel et bien toujours les trucs d'origine. Parce que j'ai rien touché du tout. Là, par exemple, on peut pas ouvrir parce qu'il y a des machins. Donc du coup, je vous fais visiter. Parce que je filme, c'est le principe. Donc là, on a la salle des machins, c'est ça? Et voilà, c'est ça. On se rappelle, c'est de bons souvenirs de coopération aussi de ça. Donc, comme vous avez compris, en fait, la version Quest est tout simplement une version Java. C'est ça qui est bluffant parce que c'est quand même Java sur du Android. On est d'accord?
C'est dingue, hein. Ça tourne bien. Hein. Regardez, ça tourne assez bien. Bon, j'espère pour vous que c'est fluide. En tout cas, moi, c'est fluide. Quand ça a chargé, en tout cas, quand ça charge, il y a des petites saccades, mais ça, c'est comme tout. Hein. Du coup, sinon, ça va, on est au 2 FPS, même peut-être 60, je sais pas, mais quand je fais ça, ouais, c'est dans les 40, 30, 40 FPS, c'est très, 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 très correct. En prenant en compte que le mouvement de la tête, c'est du 70 Hz, parce qu'il y a des canaux différents. Non, 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 c'est très, 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 très cousu. Bon, ça me sert à rien. Mais bon, voilà. Et du coup, ici, je n'ai rien touché, comme vous voyez. Il n'y a vraiment rien pris. C'est vraiment la map nue, hein, quoi. Je sais pas ce que j'ai fait. Oui, en fait, je sais ce que j'ai fait, en fait. Non, en fait, je sais pas du tout comment j'ai réussi mon coup. Ah oui, ok, c'est ça que j'ai fait, oui. Mais moi, j'aime pas ce truc-là, je préfère... Pourquoi je tiens une flèche? Je préfère le... Et du coup, vu que je suis un emmerdeur, j'aime bien faire apparaître des Wukokinu. Je ferai ça plus tard. Du coup, voilà. Et si je veux continuer dans l'autre sens, qui est justement le sens opposé de ce que j'ai fait, parce que c'est par là et que je suis un imbécile, merci moi-même. Du coup, c'est par là qu'il faut aller, je pense. Voilà, faisons semblant de courir. Et du coup, comme vous voyez, vous avez cette magnifique Wuhu Zone où Zelvac a pris tout ce qu'il fallait. Bon, encore une fois, je le rappelle, vous n'êtes pas en VR, donc c'est ultra naze. Mais pour moi, c'est jouissif, parce que c'est la nostalgie, plus ben, le fait d'être sur ces trucs. Bon, par contre, je pense que j'aimerais grave péter des trucs. Ah. D'accord. J'ai pas compris comment... Mais... Il y a une notion pour sneak, non? Merde. Je fais n'importe quoi, veuillez m'excuser. J'essaie de comprendre comment... Je sais pas si c'est la bonne pierre, mais tant pis. Ouais, non, c'est pas la bonne, je pense. Mais j'essaie en fait de comprendre ne pas tout péter. Non, en fait, c'est pas la bonne pote. C'est pas la bonne du tout. Bon, soit. Du coup, tant pis, je péterai sûrement les rails. Je les réparerai plus tard. C'est pas très, très grave en soi. Merde. Comme vous voyez, je connais très bien Minecraft. J'y arrive vraiment grave. Non, c'est pour déconner, bien sûr, parce que c'est pas la même. Alors, surtout que ici, le stick, il faut le tenir à l'envers. Donc, il faut le faire vers le bas. C'est bizarre, mais il faut faire vers le bas. Et c'est très lent. Ah mais là c'est lent. Hein. Ah mais il va pas du bon côté là, non? Ah si. Donc c'est un peu lent avant qu'il touche le truc. Mais bon. Ouh, voilà voilà. Et j'ai pas chargé la barre, mais bon. Je vois plus rien, je vois plus rien, je vois plus rien, je vois plus rien. Oula, oula. On va au cochon. Mon petit cochon. Bah il faut attendre. Monument de la saucisse. Non, je peux... Ah le cochon. Alors, est-ce que sauter aide? Non. Ah! Ah, il faut appuyer sur le stick. D'accord, ça marche. Il faut appuyer sur le stick gauche. Droite, pardon. Sur le stick, appuyer dessus, le sticky, le bruit. Le clic, il faut cliquer dessus. Pour sortir du machin. Ok, bon, comme vous voyez, ce petit problème, voilà, c'est une vieille map aussi, hein, mais en tout cas, c'est bugué, voilà, c'est pas très grave, hein, en soi, on s'en bat les couilles, on s'en bat les flaquettes. Ce qui compte, c'est la nostalgie. Vous n'allez pas me dire que c'est pas jouissif de pouvoir pas retourner dans ce jeu pendant que ça charge et ça prend 10 ans. Voilà, du coup, vous pouvez carrément revivez tous vos trucs de vos youtubeurs préférés.
coopération hostile avec Frisia, Zelvac et Siphano en mode VR aventure mais tout seul. Ça donne envie, non? Comment ça, oui, non. Je m'en mets les pas. C'est très très rigolo. Alors, il y a une couille que c'est dans le coffre et qu'en fin de compte, quand tu vas au fond, quand tu casses la vitre, j'ai pas envie de la casser, je laisse comme ça, c'est un monument d'histoire tout mou. Voilà. C'est une histoire tout mou. Oui. J'ai trop de choses, moi. Je ne veux pas de ça. Je suis allergique, voilà. Au revoir. Et du coup, l'autre côté, c'est l'autre côté. Voilà. Merci moi-même. Alors, du coup, j'ai un petit lag parce que ça doit chercher toutes les zones. Mais sinon, quand c'est pas, quand ça charge pas constamment, ça va. Mais arrête de. Là, on a la chambre de Zelvac. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais te taper. Voilà, je peux carrément aller dans le lit tout mou, ça fonctionne, voilà. J'ai dormi, donc je respawnerai ici, même si ça sert à rien, mais voilà, c'est rigolo de faire ça. Et du coup, je peux changer éventuellement de lit. Donc comme vous voyez, ça fonctionne très bien. Ce qui est bien aussi, c'est que vu que c'est des... théoriquement, ça ne doit pas générer grand-chose, puisque c'est des cartes déjà existantes. Je parle très bien français aussi, comme vous avez remarqué. Vraiment. J'ai les trois maps, hein. J'ai les autres maps, je vous montre, je vais pas les lancer comme ça parce que il faut que il y a un trou. Ah, d'accord. Je vois où c'est. On va pas y aller, mais j'irai peut-être moi-même tout seul faire de l'aventure tout mou de ça, mais tout seul, sans amis, j'ai avoir peur. Regardez cette magnifique porte horrifiante. Elle fait pas déjà peur. Ouhou, je suis moitié tête coupée. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai peur. Ça se voit dans ma voix. Je suis vraiment très très ou effrayé. Qui donne vraiment l'air de s'en battre. Ou effrayé. Ouh. Voilà. J'ai tellement peur que des ouh coquins apparaissent. Non, j'ai dit des ouh coquins apparaissent. Oui, voilà. Magnifique coquinou. Parce que c'est. D'accord. Bon, il n'y a plus de porte. C'est pas moi. Oh, il faut dodo. Ah, je l'ai où poussé. Ah, je l'ai où poussé. Oh, regardez, il y a un petit ou coquinou. Quel magnifique ou coquinou que vous avez là. Oh. Est-ce que ça marche? Non. Censé faire du bruit. Poum, 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 poum. Voilà. C'est compliqué. Par contre, ça devrait fonctionner, ça. Oui, bravo. Merci, c'est parfait. Bah oui, ça fonctionne. Oula, c'est quoi cette musique horrible? Je ne veux pas cette musique, monsieur. Je vous permets pas. Mettez-moi plutôt une musique un peu plus attrayante. Non, mais. Voilà. C'est mieux. Bon, désolé, j'ai tout cassé, hein, mais bon, c'est pas grave. Vous n'avez rien vu. Ah, apparemment, il n'a pas mis la musique en fait. Il a juste retiré le truc. Bah, décidément, j'ai vraiment beaucoup de chance. Waouh, quel talent que j'ai. Ah! Bon, en fait, j'ai toujours le disque, d'accord. Et déjà, j'ai des pouvoirs magiques, je peux cloner des disques. Je suis très très beaucoup impressionné. Voilà, du coup, vous avez une magnifique musique tout mou.
arrête de sauter. Oh, ça me gratte. Enfin, voilà. Après, c'est peut-être un peu fort. Voilà, vous avez compris la couille. Et du coup, voilà. Et du coup, on va aller voir dans le Nether. Dès que je me suis gratté parce que j'ai une grosse... Oula. Donc... J'avais une folle envie de me gratter la tête. Je sais pas pourquoi. Je suis en mousse. Ça doit être ça. Je t'ai pas dit d'enculer le vent, voyons. Ça ne se fait pas, monsieur. Alors, montez et arrêtez de faire des conneries. Alors, dernière vérification. Non, c'est pas les fesses qu'on va aller vérifier, c'est le Nether. Voilà, tout droit, là. Non, pas là, là. Non, là, non, pas là, ben là. Là, là, là. Bon, je vous rappelle, vous êtes tout mou. Voilà, c'est la dernière. Oula. Moi, pas sauter, moi. Ah. Comment on dit ? Magnifique bug de... Ah ! Ça charge. Il faut laisser de temps, hein. On est sur... Je rappelle, on est sur Android, on est sur Quest, hein. Faut laisser le temps que la map charge. Mais quand ça charge, regardez, ça fonctionne. Hein, c'est très très fonctionnel. Hein, c'est très très tchoum tchoum tout ça. C'est très très tchoum tchoum. Hein? Comme ça. Voilà. Donc, du coup, ça charge, ça lagouille, c'est normal. Ouh, ça doit attendre. Oula, il s'est pris un speed celui-là. C'est normal que vous, ça lagouille et ça saccade à un moment quand il y a des chargements. Moi, ça c'est différent. Voilà, là, il doit y avoir un tourment des saccades. Il y a peut-être de temps en temps des coupures, des grésillements du micro. C'est normal. C'est parce que vous êtes tout mou et que vous n'êtes pas compatible en mousse. Voilà. Et du coup, ben là, j'ai des verrues du tchoum-tchoumner. C'est très très connu par le mousse. Bon, alors, je retiens, c'est par là et vous allez retenir que je vais vite me perdre. Ça, c'est trop cool. Trop cool. Parce que c'est rigolo. C'est très très rigolo de se perdre. C'est très très rigolo. Un magnifique mousse-mousseux perdu. C'est ce que vous voulez avouer. Vous voulez vous perdre. Je n'irai pas plus loin. Bon, vous avez compris, ça fonctionne, ça charge, ça saucisse. Tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça fonctionne très bien. En bref, on... à des vieilles maps sans saucisses grillées pour tous. Parce que je ne sais pas où est le chemin, parce que la distance, je rappelle, c'est... Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Alors, je rappelle pour les petits comiques que la distance graphique, elle est de... Voilà. C'est distance de simulation et distance d'affichage, 3 chunks. Donc, comment vous dire que oui, c'est assez FPS limité. Donc, je ne sais pas si j'en ai vraiment 200, mais voilà. Voilà, voilà, vous avez un peu même le principe du truc et pourquoi ça prend autant de trucs. Donc vous voyez un peu, oula, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un peu ce que ça montre quand... Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ce truc d'option tout mou. Voilà, voilà, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Sinon voilà, hein, paramètres VR, stéréo, commande rapide, vous êtes tout mou... paramètres de locomotion, paramètres de la manette, paramètres des saucisses grillées pour tout, radia et tout ça. Menu radia, je sais pas ce que c'est. Indicateur de rotation du monde. Alors moi j'aimerais bien changer un truc, c'est ça en fait. Je vais vous montrer. On va faire terminer et on va... quitter, vous allez comprendre. Voilà. Et il est derrière. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi tout fonctionne sauf ça. Voilà. Je suis en face d'un mur et il est derrière. Comment vous dire que c'est pas pratique, hein? Je vais me retourner. Merci Minecraft. C'est très très gentil. Voilà. Et du coup, comme vous voyez, j'ai super Hosticeos Flamme que je viens de vous mettre, hein.
Super Hostile Oven a Cavern, tout ça, donc ça va être reconverti, je pense, selon quand je vais se charger. Ça a l'air de fonctionner, mais voilà. Voilà comment ça fonctionne et voilà comment ça marche. Donc ça me gêne, ça me casse un peu les pieds que le machin soit de l'autre côté. Je n'ai pas compris cette logique. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est la logique minecraftienne. Le truc se trouve derrière vous. C'est juste pour vous faire chier, en fait. Parce que tout le reste, c'est devant. Hein, il n'y a que le menu qui se fout derrière. Hein, et ça. Hein. Mais sinon, quand on est dans le menu, je vais vous montrer. Au pire, on va quitter. Après, je vais revenir dans le monde et je vais vous montrer que sinon, tout va bien. Hein, on va quitter le monde. Hein, vous montrer que tout va bien. Hein. Voilà, là, donc on est bien, on est cool, on est heureux, on est tout mou. On va essayer peut-être de retourner dans la zone réelle ou on va rester là. Bah, je vais quitter. De toute façon, je connais le chemin, c'est pas un problème. Donc voilà, on est bien, voilà, je quitte, je décide de quitter le jeu. Là, non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Voilà. Donc je dis ok, j'ai bien joué. Et du coup, je décide de quitter le jeu. Jusque-là, on a vu comment c'était. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, on est face à de l'autre côté. Bon, c'est pas normal. J'ai beau tourner, il n'y a rien qui se passe. Et du coup, si je fais le jeu. Regardez. Bon, oui, ça fait ça aussi. Bon, voilà. C'est normal, ça quitte. Alors, hop. Montrer rapidement. Pour vous montrer que c'est pas moi qui ai un problème. C'est Questcraft. Là, c'est ça que je vais lancer. Hop. Là, c'est devant, on est d'accord? C'est pas derrière. C'est devant. À moins que je dois faire ça pour que ça se mette derrière. Je vois. Oui, là, le truc, il est ici. Regardez, si je fais ça marche. Il est devant moi. Donc, par logique, ça devrait être devant moi. Donc, hop, je vais me player. Voilà, là, encore une fois, tout fonctionne. Il est devant moi et il n'est pas derrière moi. Et par contre, dès que je fais play, ben, le machin il va se retrouver derrière moi. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. C'est un bug, mais du coup c'est un peu chiant. Parce que comment vous dire que c'est un peu casse-couille quand même de devoir se retourner à chaque fois. Vous êtes tout mou le jeu. Vous êtes tout mou. Donc voilà, c'était. Non, ici on va attendre pour voir, pour vous montrer la réalité des choses. Donc j'ai pas, je tourne pas, je fais rien du tout. À moins qu'il veut que je me mette par là, peut-être. Attendez. Oui, c'est peut-être ça. Non, regardez, voilà, c'est ça. Là, je suis normal. Et il se met derrière moi, ce con. Pourquoi tu te fous derrière moi, imbécile? C'est là que tu dois aller. Bon, voilà. C'est un des petits bugs de cette version de Minecraft VR, c'est que, juste pour vous faire chier, il se fout derrière vous. Donc vous êtes obligé de vous retourner pour jouer. C'est pas ultra grave. Je sais pas comment on règle ça. Si vous savez comment on fait, ben, dites-le moi. Hein. Mais voilà, et sinon, bah, tout est là, il n'y a pas de problème. Je pense que ça, automatiquement, ça fait des trucs et tout ça, mais voilà. C'était une petite, du coup, une petite vidéo nostalgie de ça, et voilà, ça sera posté directement, et je vous dis à bientôt, bande de tout truffe. Portez-vous bien! Allez, ciao, ciao! Shit. Shit.